Bonjour, aujourd'hui je démonte la console centrale pour, je vous montrerai, pour changer les ampoules qui sont grillées de la petite des LED. Ensuite, parce que le bouton ne va pas et là ça a été cassé, donc on va essayer de démonter pour recoller ça. Donc, déjà, premièrement, pour enlever où il y a l'afficheur et le bouton de warning, donc c'est normalement comme ça. Donc vous soulevez délicatement avec vos mains. Moi j'y suis arrivé avec les mains, mais sinon vous prenez ce style-là pour soulever un peu et après vous l'amenez vers le pare-brise comme ça. Vous voyez, ça va tout seul, c'est des clips. Il faut y aller doucement parce que sinon vous cassez tout. Ensuite, pour ça, pour l'enlever, je suis à contre-jour, c'est pas évident. Avec une main, ça n'a pas été évident. Je vous reprends. Donc, vous avez un petit taquet de chaque côté. J'essaie de vous le prendre. Voilà. Donc, avec un tournevis où vous appuyez là, vous faites un peu descendre et après vous faites pareil de l'autre côté pour enlever le bouton de warning. Après, vous pouvez enlever ça. Donc, maintenant, de mémoire, pour enlever les branchements, je vois rien, mais je crois. Ces doigts, faut appuyer dessus. Attendez. Voilà, j'ai appuyé dessus là. Derrière, vous appuyez un peu dessus en même temps. Faites basculer la petite manette. Je trouve que c'est bien fait comme système ça. Hop, vous l'amenez jusqu'au clic. Ensuite, vous pouvez l'enlever. Ensuite. Ça doit être des vis, je crois qu'elles sont devant. Vous avez deux vis Torx, une ici et une ici. Je vais les enlever. Voilà, une fois que vous avez enlevé vos deux vis Torx, hop, là vous le prenez et vous l'enlevez. Donc vous voyez, les ampoules sont ici. Donc pour les enlever, vous faites un quart de tour et vous tirez dessus, mais je vais chercher une petite pince. Bon, voilà, j'ai réussi à en enlever une avec la main, avec les doigts, mais bon, le mieux c'est petite pince. Vous tournez d'un quart et vous les enlevez. Hop, celle-ci. Oh, pardon, on voit rien depuis tout à l'heure. Celle-ci. Ça n'est pas super, j'ai l'impression. À vérifier. Donc, une fois les ampoules enlevées, vous achetez ce style d'ampoule là. Voilà. 1,2 watts, 12 volts. Et ensuite, vous enlevez la petite ampoule qui est grillée et vous mettez à la place ceci. Moi, je vais le faire après. Je continue le démontage de la console centrale. Donc ensuite, je vais enlever le poste parce que de mémoire, il doit y avoir des vis derrière. Donc, j'enlève mon autoradio. J'espère pour vous que vous avez gardé ou que vous pouvez avoir par des amis le système pour les enlever. Alors, pour enlever, en fin de compte, donc vous avez deux vis en haut, deux vis Torx, là, une là. Une là en haut, et ensuite c'est des clips, il faut tirer dessus. Vous avez un clip là et deux clips là. Voilà, vous tirez délicatement dessus, ou si vous avez une espèce de d'entretoise pour essayer de forcer dessus, mais doucement pour le sortir. Voilà, moi j'ai regardé en même temps, là les volets ne marchaient plus, c'était bloqué. En fin de compte, c'était la roue crantée qui s'était décalée. Si vous voulez le remettre, vous avez juste à pousser cette roue. Vous poussez par là-bas, vous remettez bien vos clapets à zéro et vous le remanchez dans l'écran. Et après, voilà. C'est bon. Voilà, donc ma chérie vient de le recoller, donc on le replace. Donc, voilà, elle va le reclipser doucement, tranquillement. Voilà.
Là, c'est en place. Maintenant, elle va remettre ces deux vis Torx. Tiens, juste avant, chérie, tu peux mettre le contact. Les clés, c'était dessus tout à l'heure, non? Ah, elles sont sur le tableau de bord. Donc, vous faire voir que ça marche. On a changé les. C'était trois ampoules, c'est ça? Trois ampoules, et voilà, maintenant, mets le contact pour voir. Bon, bah, embraye, essaie de démarrer 2 secondes. Voilà. Donc ça marche bien, c'est rétroéclairé, il n'y a pas de problème. Bon bah pour le reste, sinon, bah après vous remontez en sens inverse, hein. C'est pas plus dur que ça. Donc bah, je vous souhaite bonne mécanique, à bientôt, au revoir.